Tiens, ma casse. Pardon. Ah, on ne sait rien. Donc, on tient à disposition. Nous sommes encore en Corée du Sud. Et le Pacifique, tous à Wana, tous les Arabana, tous les personnes âgées, les personnes qui vivent avec handicap, les abîmes, un peu tout. On va s'en parler un peu tout. Alors, comme ici à l'Équateur, chez moi, où ils appellent la maman, au papa, la maman, 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 et puis peut-être l'engue, je crois sur le colonel qui a dit tout à l'heure, donc ça l'a un peu partout. Souci n'a pas pour la basouda, m'a expliqué qu'il y a un jour, voilà, parce que n'a pas souci à la militaire, n'a pas souci tout de suite à la FARDC, de la Rabisso et tout, et puis n'a pas de moi ça général. Il y a un moment où il y a vraiment qui a aidé à participer, qui a aidé à soudain, qui a bon attendu qu'il y a un temps et tout, ma camion sur le cadre. Alors, merci beaucoup de la présence de Bino. Je pense que le FIMER, vous êtes là, non? Je pense que la Zawana, qui est regardé le matériel bien parce qu'on en a besoin. Au sali, formation de Bino, ça va direct à moi. Et après, on va continuer. Pourquoi pas à la langue? Donc, je vais mon bien mon ami pour créer paix, peut-être une formation à coiffure, l'électricité et un peu de tout. Donc, tout ça me s'appelle mal à Mbali, comme ça. Faites comme moi, je viens de trouver une solution pour ma famille. Mon oncle à Brazzaville, ma mère à Kinshasa. N'a tindali bangombongona, top top send, n'étiqua qu'on soit tindé à SMS. Mais Tindi Mbongo. En plus, transfert d'argent sans frais. N'est qu'à la Croix-Rouge. Faites comme moi, vous téléchargez l'application la binoya Tap Tap Send. Quand tu as un téléphone, na yo. Au Tindi Sika Azali, il y a un Azui et Sika Azali. Bon numéro, on les a un MPSA. RTL Money, to Orange Money pour la Kinshasa, MTN Money, to RTL Money pour la Brazzaville, Tap Tap Send, na beti, na send mbongo, yamba mbongo à temps à minuit. Tap Tap Send, mbongo longue la poche, et continue à chombo. Tap Tap Send, you send me, send you. Accélération divine, ma nouvelle saison. Accélération divine, ma nouvelle saison, à Bruxelles, du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022, rue Birmingham, 112, 1070, Anderlecht, référence métro de la Croix. Au programme, comme orateur, l'apôtre Jean-Clément Djambilaï de la RDC, comme hôte, le pasteur jumeau Jean Bosco Kankou et le révérend Raoul Wanfo de la Côte d'Ivoire.
la louange et l'adoration pour célébrer l'Éternel avec l'évangéliste Thomas Lokofe, la sœur Sandra Mbouyi, la sœur Lédine Seya, le frère Jonathan Gambela, le frère Jonathan Watanda, le frère Fiston Bouilly et le GKGD et famille. Ne ratez pas ce grand événement de consécration à l'Éternel, Accélération divine, ma nouvelle saison, à Bruxelles, du samedi 2 au dimanche 3 juillet 2022, rue Birmingham, 112 070, Anderlecht, référence métro de la Croix. Que Dieu vous bénisse. Service spécial covoiturage, Paris-Bruxelles-Paris. Voyagez confortablement de Paris à Bruxelles et vice-versa de Bruxelles à Paris dans de meilleures conditions. Jimmy Chimanga porte de la chapelle. Contactez le service covoiturage Jimmy Chimanga Paris porte de la chapelle. Composez vite. Le plus 33 7 87 76 95 65. Pour toutes vos démarches, afin d'obtenir le passeport Yabana Mboka à Bruxelles, dans un délai raisonnable, confiez-vous à Jimmy Chimanga, porte de la chapelle. C'est sérieux et c'est efficace. De la cérémonie marquant l'ouverture de l'atelier bonus. Je vous invite à passer le détachement à revue. Le commandant de détachement, major vice Sam Samuel.
À vos ordres. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur, Monsieur le commandant principe de région militaire et commandant place, mon général, Excellences, Monsieur le ministre provincial des genres et familles, Monsieur le directeur 13e direction régionale, service d'éducation civique patriotique et des actions sociales, Madame la représentante d'organisation non gouvernementale, Dani Bokombe, ONG DB Fondation en sigle. Messieurs les officiers à titre et qualité respectifs. Chers filles-mères des familles militaires, forces armées de la République démocratique du Congo, garnison de Mbandaka. Le programme de la cérémonie d'ouverture de l'atelier de formation à coupe et couture au profit des dépendants des filles mères des familles militaires, forces armées de la République démocratique du Congo, garnison de Mbandaka, se présente de la manière suivante. Tout à l'heure, ce sera une courte prière, suivie peu après par l'hymne national congolais. Le mot de bienvenue du directeur 13e direction régionale du service d'éducation civique patriotique et des actions sociales. Mot des circonstances de la représentante d'organisation non gouvernementale. ONG DB Fondation à sigle. Enfin, le mot de remerciement par les commandants 13e région militaire et commandant plat. Sans plus tarder, j'invite l'aumônier du jour pour une courte prière. Puissant maître des temps et des circonstances pour avoir permis que nous puissions nous retrouver à ces lieux ce vendredi 29 avril 2022. Mes remerciements s'adressent également à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo. Nos hommages s'adressent directement à la présidente de la Fondation Dani Bokombe Pacifique, pour une idée géniale de la formation d'autoprise en charge de nos filles mères garnison de Mbandaka. Et nous demandons à la présidente, si possible, d'étendre ses actions dans d'autres garnisons de la région militaire. En effet, les choix portés sur les filles mères d'organiser cette formation est un impact à louer pour leur avenir. Je vous remercie. J'invite maintenant la représentante d'organisation non gouvernementale Dani Bokombe, ONG DB, Fondation Asile, pour ce mot de circonstance. Bonjour à tout le monde, merci d'être venu. Je remercie d'abord mon Dieu et je vais remercier aussi l'excellence du gouverneur Bobo. Merci beaucoup pour votre présence. Merci mon général, mes respects. Merci maman générale, merci maman Nyoso. Vous voyez vraiment, ça m'a fait vraiment plaisir, vraiment je suis très heureux. Alors, nous, on est une fondation de l'Pacifique, Tozawana, Tolidarabana, Tolidarabana, les personnes âgées, les personnes vivant avec handicap, les abîmes, un peu tout. Pour exemple, un peu tout. Alors,
comme ici à l'Équateur, chez moi, où ils appellent la maman ou papa, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la maman, la et puis peut-être, je crois sur le colonel qui a dit tout à l'heure, donc ça l'a un peu partout. Souci n'a pas eu pour la soldat, m'a expliqué qu'il y a un jour, voilà, parce que nous avons un souci à la militaire, nous avons un souci tout de suite à la FARDC, à la Bissau et tout. Et puis, nous avons un général, il y a un moment, on a un gars vraiment qui a aidé, qui a participé. Na aidé ba soudan bien à mon attaque qui n'aura pas temps et tout ma caméra sur les gars. Alors merci beaucoup la présence la bino, je pense que le fumeur vous êtes là, non, je pense que la zawana qui est regardé par matériel bien parce qu'on en a besoin au sali formation la bino, ça va direct à moi et après la moussou soupe au côté on va continuer pourquoi pas à la langue dans la place mon bien mon ennemi pour créer paix peut-être une formation et à quoi coiffure, l'électricité et un peu de tout. Donc tout ça me s'appelle mal à Mbali comme ça. Donc voilà, merci beaucoup, merci Excellence Trésor Salou, merci na bande Bonio Sobaye, parce que là, ma maman, vraiment je vous remercie. Et na remercie aussi notre chef de l'État, Félix Antoine Tshilombo, et maman Denise, parce que grâce à elle aussi que je suis là. Parce qu'elle est là tout le temps, elle est là, elle m'encourage et tout, donc maman Denise Pessozali, vraiment merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, merci. Je t'aime beaucoup. Je vais vous battre et nous continuons toujours à soutenir. Merci beaucoup. Je suis ici présent. Madame la présidente de la Fondation Denis Mukwege Pacifique. Madame la présidente des épouses militaires Moïse. Mesdemoiselles participantes à l'atelier de formation. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives. C'est avec un réel et profond plaisir que je prends la parole pour exprimer la joie que je prouve en cette circonstance qui marque l'ouverture de l'atelier de formation de nos chères et braves filles mères dont la société dans l'ensemble considère comme délaissée pour compte, alors que bien encadrées, elles peuvent relever le défi de leur auto-prise en charge. En effet, comme vous le savez, le phénomène fille-mère est l'un des sujets de préoccupation dans notre société en général et dans l'ensemble de nos camps militaires en particulier. Indépendamment de leur bonne volonté, bon nombre de filles séparées du chef de famille pour raison de divorce, de guerre, faute d'encadrement ou contrainte de survivre, se retrouvent en état de fille mère avec ce que cela comporte comme conséquence. La Fondation DV Pacifique, par cette action, se trouve en fondation avant-gardiste dans la recherche de solutions visant tant soit peu la rééducation du chômage, la réduction du chômage, la réduction de la délinquance juvénile en contribuant à l'auto-prise en charge de celle-ci, concrétisant ce faisant l'adage qui dit « Si tu me donnes un poisson, j'aurai faim un jour, mais si tu m'apprends à pêcher, je n'aurai pas faim. » Ainsi, au nom du commandant suprême des forces armées de la République démocratique du Congo, le nom du chef d'état-major général de nos forces armées, le chef d'état-major de la force terrestre, au nom des familles militaires d'Anizo de Mbandaka et à mon nom personnel, je remercie du fond de cœur la Fondation des deux Pacifiques et son fondateur pour qui nous demandons à notre Seigneur de lui accorder longue vie et plein succès dans ses œuvres de bienveillance.
de bien faire ça. Excellences, Monsieur le gouverneur de la province de l'Équateur, Excellences, Monsieur le ministre provincial du genre, famille et enfants, Monsieur les officiers généraux supérieurs et subalternes de FADC ici présents, Madame la présidente de la Fondation Bien de Pacifique, Madame la présidente des épouses militaires, Mesdemoiselles participantes à la Fondation, Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, distingués invités à vos titres et qualités respectives, je ne saurais terminer mon propos sans adresser un mot à nos chers participants à l'atelier. Chers filles, vous voici bénéficiaires d'une formation qui vous offre une opportunité de subvenir à vos propres besoins et cesser de dépendre de toute votre vie à autrui, fût-ce votre parent, frère ou sœur. Je vous exhorte donc à vous montrer assidu, discipliné tout au long de votre formation par la maîtrise des notions tant théoriques et surtout techniques qui vous seront dispensées afin de vous de nous faire honneur. Nous, vos parents, sommes militaires. Sur ce, j'invite donc Son Excellence Monsieur le Gouverneur de la province de l'Équateur ainsi que l'Assemblée de pouvoir nous diriger vers la salle qui est prévue pour la formation de nos filles en vue de l'inauguration. Je vous remercie. Derrière vous là.
pouvons faire la cérémonie ce jour. Merci beaucoup. Plus rien, à vos ordres.